toi qui viens de donner ta vie à Jésus. Les chaînes vont tomber. Les enfouissements vont tomber ce soir. Sois prêt à recevoir ta délivrance. Sois prêt à recevoir ta restauration. Quand nous allons chanter, certains auront chaud dans leurs mains. La puissance de Dieu va te toucher. Certains vont sortir, des choses vont te commencer à sortir. C'est la puissance de la délivrance. Certains auront mis la force pour eux tomber par terre. Le Saint-Esprit va les restaurer. Lève simplement tes mains. Lève tes mains. Chante avec moi. Chante avec la chorale. On y va. Souffle. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Shalom beloved in the Lord. Que la paix de Dieu et la grâce de Dieu vous soient transmises de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Let the peace and the grace of God be transmitted unto you. C'est encore pour moi une joie. It is a joy for me. De me présenter devant vous pour vous apporter la bonne nouvelle. To be before you to share with you the good news. Dans le cadre de notre mission Temps de Victoire. In our broadcast the Time for Victory. Qui est une émission de la chaîne télévision chrétienne. For the Christian channel Bere TV. Bonsoir ou bonjour à vous tous. Good evening, good afternoon to ça everybody. Dépend de là où vous captez cette chaîne depending à ce moment. Depending on when you connect, you connect ou, to this channel. Ça dépend également de là où vous captez également ces programmes par la voie des réseaux sociaux. If you connect on the social media. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. We bless the Lord for your lives. Et je pense que cette soirée sera encore une soirée de grâce. And I believe that tonight will be une soirée night de of puissance grace, a night of power, où le Saint-Esprit va encore parler à nos cœurs. Mais avant toute chose, je vais vous inviter à incliner la tête dans la prière. Nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Thank you, our God. Nous te bénissons we bless parce you. Que tu es notre Père. For you are our Father, et notre Dieu, and our God, nous voulons confier ce moment entre tes mains. We entrust this ta parole déclare éternelle que l'homme ne vivra pas seulement du pain, that man shall not live mais from de toute alone, parole qui sort de ta bouche. But from all word that je prie from ce mouth. Soir éternel and I pray tonight, que l'onction de ton esprit, that the anointing of que your ta grâce éternelle, Dieu, that your grace, descende God, sur nos vies ce soir down on our lives, et que Seigneur nous puissions saisir l'essence de ta pensée. We may seize the meaning of your thoughts. Je me recommande entre tes mains. Je prie pour que tu circoncis mes lèvres ce soir afin que tout celui qui entendra le son de ma voix puisse entendre ta voix ce soir. Parle à ton peuple, Seigneur. Parle au cœur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez grandement bénis, bien-aimés. Grande ma joie encore de vous apporter la parole de Dieu dans cette rubrique Temps de Victoire. Amen. Ce soir, sans plus tarder, nous allons entrer directement dans le vif du sujet de ce soir. Tonight, we will share our topic tonight. Sans plus tarder, nous allons entrer directement dans le but du sujet ce soir. Straight in the topic tonight. Parce que je voulais vraiment comprendre un peu le temps pour pouvoir prier et puis partager la parole de Dieu. Ce soir, je voudrais partager avec vous un thème que Dieu a mis dans mon cœur, like que j'ai intitulé « La crainte de Dieu ».
et les conséquences et ses conséquences. La crainte de Dieu et ses conséquences. Quand nous lisons la parole de Dieu, ou quand nous lisons la Bible, nous remarquerons que souvent la Bible parle de la crainte de Dieu. Et la conclusion que nous pouvons tirer est que la crainte de Dieu est une chose nécessaire et indispensable pour tous ceux qui veulent vivre une vie de communion avec lui. Ça veut dire que tu ne peux pas vivre une communion avec Dieu, tu ne peux pas vivre une relation réelle, authentique avec le Seigneur sans comprendre ce qu'est la crainte de Dieu et sans marcher dans cette crainte-là. Et ce soir, j'aimerais, par la grâce de Dieu, lever certains équivoques par rapport à la compréhension, à la mauvaise compréhension que certaines personnes ont. To clarify certain things. J'aimerais lever certains équivoques and I would like to clarify par rapport à certaines incompréhensions que certaines personnes ont due to some misunderstandings par rapport that some à l'interprétation de ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Regarding the interpretation of what we call the fear of God. Et nous allons lire le livre de Genèse au chapitre 39, we will read the book of Genesis, chapter le verset 39, 7 jusqu'au verset 23. Je lis rapidement. À ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa, dit la femme de son maître, voici mon maître ne prend pas avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi sur cette maison. Il m'interdit de rien, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-tu aussi un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Alléluia. Alors, vous qui avez vos Bibles, bien-aimés, pour que nous puissions gagner le temps, vous pouvez lire jusqu'au verset 23. Mais nous essayons de gagner le temps ce soir. Amen. Parce que notre temps est bien calculé ce soir. Alors, cette histoire, la Bible nous parle de l'histoire de Joseph. The Bible deals with the story of Joseph. Nous savons comment est-ce que Joseph a eu un parcours très difficile. We know that, Joseph's story is very difficult. Commençant par la révélation de la pensée de Dieu, du destin de Dieu à son père. Starting with the revelation of God to his father. Et la trahison qu'il a eue avec ses frères. The betrayal of his brothers. En finissant par la fidélité de Dieu qui s'est manifesta dans la maison de Potiphar. And ending in the faithfulness of God that was et la Bible dit que Joseph a été établi dans la maison de Potiphar comme étant le roi lui-même. Joseph was established in the house of Potiphar as the master. Et la seule chose que Potiphar lui avait interdit, c'était sa femme. That was, forbidden to Joseph was Potiphar's wife. Mais la Bible dit qu'il arriva un moment but the Bible says that où la femme de Potiphar a commencé à chercher à séduire Joseph jusqu'à chercher à coucher avec lui. Nous ouvrons une parenthèse pour dire que Joseph était un jeune homme beau de visage, était bien de corps. Mais la réponse de Joseph est une réponse d'une personne qui a connu Dieu. La réponse de Joseph est une réponse de quelqu'un qui a compris c'est quoi avoir la crainte de Dieu. Quand nous lisons le verset 9, la Bible dit, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Alors la question que Joseph pose, comment ferais-je aussi grand mal how would I do a such an evil et pécherais-je contre Dieu? And would I sin against God? Comment ferais-je un si grand mal? How would I do such great et pécherais-je contre Dieu? And would I sin? Joseph a compris Joseph understood que céder à la séduction de la femme de Potiphar that to surrender to, Potiphar's wife, était faire du mal à Potiphar, son roi. Was to do evil to his master, mais il avait compris aussi que céder à cette séduction, bien-aimé, n'était pas seulement faire du mal à Potiphar, mais c'était aussi trahir Dieu. C'était aussi déshonorer ses convictions. C'était aussi déshonorer son Dieu. C'était aussi pécher contre Dieu. La Bible ne dit pas qu'ils étaient nombreux dans la maison, mais ils n'étaient que tous les deux. Mais il a réalisé que le Dieu en qui il croit, le Dieu de son alliance, le Dieu de ses arrière-parents, était un Dieu omniscient. Et au-delà d'être omniscient, Joseph a réalisé aussi qu'il était un Dieu omniprésent.
also understood il savait que Dieu était là. C'est la raison pour laquelle il posa la question à la femme de Potiphar. Comment dois-je faire, comment pourrais-je faire un si grand mal? How would I do such a great evil? Et comment pourrais-je pécher contre le Seigneur? Could I sin against the Lord? Voyons la suite, bien-aimé. And we see la Bible dit que Joseph a fui. The Bible says that Joseph est parti. Mais en fuyant, la femme est restée avec son habit. And while he fled, the woman stayed with suite, Joseph's garment c'est que in la hands. Crainte de Dieu and then, a amené Joseph en prison. The fear of God led Joseph, Joseph into est allé prison. En prison pour une bonne cause. Joseph went into prison for a des good fois, reason. Peux entrer, tu sometimes, peux être en train de suivre cette émission. You maybe you follow tu this te dis, broadcast, à quoi servirait de craindre Dieu? And you wonder, but what it is, what, ça is it fait longtemps que je crains Dieu. God, to fear God. It's a long time I fear il n'y a God. Rien qui ne change dans ma vie. Nothing is changing ça in fait my longtemps life. Que je crains it Dieu. Is a long time I ce que God. J'attends de Dieu ne what vient pas. Mais l'histoire de Joseph est très instructive. Elle nous instruit sur la crainte de Dieu. Teaches us about the et fear elle nous instruit sur les conséquences que la crainte de Dieu a. Joseph a eu la crainte de Dieu. Il refusa de coucher avec la femme he de Potiphar. To lay down with the, mais with cela Potiphar's lui coûta wife. La prison, bien-aimé. But it cost him mais prison. Dans la prison, Dieu était avec lui. But in prison, God was cela with nous amène à comprendre encore que quelle que soit la crainte de Dieu que tu as, no matter the fear quand of tu as la crainte de Dieu, quelle que soit God, la situation dans laquelle tu no vis, matter the situation quelle que soit ta no misère, quels que soient tes combats, no quels que soient tes problèmes, no problem, quels que soient tes manquements, no your Dieu va toujours lacks, faire à ce qu'une solution vienne. God will also find a solution parce que Dieu est toujours près you. De ceux qui because ont God la crainte de son nom. Le livre de Proverbes dit, the book of Proverbs la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nous ne pouvons pas prétendre avoir la sagesse de Dieu we can never pretend to have God's si nous n'avons wisdom. Pas la crainte de Dieu en nous-mêmes. If, God's fear nous ne pouvons pas enough, marcher avec ce Dieu-là we cannot walk with that si God, nous n'avons pas la crainte de Dieu en if nous-mêmes. We haven't got that fear la question in que us, nous pouvons nous poser, bien-aimés dans le Seigneur, we can ask ourselves, c'est de dire, mais Dieu est amour. Is, but God is love. Mais pourquoi nous devons encore craindre? So why should we fear? Car la Bible dit because l'amour the Bible parfait bannit la crainte. Perfect love banishes fear. Alors il faudrait que nous comprenions une réalité. So we should understand les Écritures reality. Ont été écrites en hébreu. The scriptures were written et in après Hebrew, elles ont été transmises en and grec. Afterwards they were transmitted et quand nous voyons Greek, la version grecque et hébreu des Écritures, the Hebrew and Greek version of nous the comprenons scriptures, deux choses importantes. We understand two things. La chose que nous comprenons, c'est que le mot crainte dans les Écritures first of all, is that the word fear est utilisé de différentes façons. Is used in several ways. Le mot crainte dans les Écritures the word fear in the scriptures est utilisé déjà comme étant terreur. Ça, is c'est vrai. Used as a terror. Mais ici, la crainte dont but on parle, here, the fear we ce n'est pas de la terreur. Is not about a terror. Ce n'est pas de la peur. It is not a mais nous voyons la seconde signification du mot crainte but the second meaning of the word fear, qui nous donne le sens simplement d'honorer. It's the meaning of to honor. Le sens de respectueux. Of respecting. Le sens de considérer. Considering. En d'autres termes, nous pouvons dire in ceci. In other words, we could say. Crainte de Dieu dans le sens dont nous parlons ce soir. To fear God in the c'est way we are talking about honorer tonight. Honorer Dieu. Is to learn to c'est apprendre honor God. À craindre Dieu. Is to learn to fear God. C'est apprendre à respecter Dieu. To learn to respect à God. À marcher dans l'intégrité to avec walk lui. In integrity with him. C'est apprendre à être royal it avec is le to Seigneur. Learn to be loyal with beaucoup the Lord. De chrétiens aujourd'hui, bien-aimés, many many ont Christians été baptisés. Were baptized. Ils ont reçu le Saint-Esprit. They received the mais Holy ils n'entendent Spirit. Jamais la voix du Saint-Esprit. But they never hear the voice dans of the Holy certaines Spirit. Situations dans lesquelles in ils se trouvent, found, où le diable les tente, where the devil où le Dieu les éprouve aussi. Where God also trials le Seigneur est attristé de voir the que dans Lord le cœur de beaucoup de ces chrétiens, il n'y a pas la crainte. In many hearts of these Christians, c'est ce qui fait que beaucoup de gens marchent comme ils veulent marcher. This is why many people walk parce qu'ils ne réalisent pas to. Que le Dieu en qui ils croient, le Dieu de la Bible, the God of the est un Dieu qui mérite que nous puissions marcher dans la crainte, dans sa présence. Us to walk in his presence, et la crainte dans laquelle nous marchons dans sa présence in which we walk in his presence n'est pas une crainte qui produit, qui est le résultat de la terreur. Does not result from terror. Ce n'est pas une crainte qui produit la peur. It is not a fear that mais c'est une crainte révérentielle. Fright.
But it is a reverential C'est la crainte qui produit en nous la révérence envers Dieu. It is the fear that produces reverence. Et cette crainte est le fruit et le résultat aussi de l'amour que nous avons envers Dieu. Results from the love we have. Parce que nous ne pouvons pas Because prétendre we aimer can Dieu never pretend to love God sans honorer Dieu. Without honoring God. Nous ne pouvons pas prétendre aimer we Dieu cannot pretend sans on, considérer honoring Dieu. God without considering sans avoir God de la considération without pour lui. Having consideration nous ne pouvons pas prétendre God aimer Dieu we cannot pretend sans respecter Dieu. Without respecting God. Et ainsi, il est important pour nous this ce soir, bien-aimés, de réaliser et de comprendre to ça. Realize and understand si nous comprenons l'essence de la crainte if we de Dieu understand what it is, the fear et nous comprenons of God, les avantages de la crainte and we de Dieu, understand the advantages nous allons of the vivre fear of God, une vie chrétienne épanouie. We will live a Christian life that nous allons vivre flourishing une vie chrétienne différente des autres live vies. A life of Christian life that will be different et nous allons expérimenter lives, beaucoup de choses de la part du Seigneur. From the Lord. Aujourd'hui, certaines personnes aujourd'hui vivent une vie chrétienne fausse, live a false Christian une vie chrétienne de religieux, they live a religious une vie chrétienne life superficielle, Christian life that is superficial, une vie chrétienne qui n'est pas profonde, a Christian life that is not deep, simplement parce qu'ils n'ont pas appris à vivre dans la crainte de Dieu. To live in the fear of God. Mais il est important pour but toi ce soir, bien-aimé, de comprendre cela. Understand la this crainte de Dieu the fear of God est la chose indispensable is the, pour tous ceux qui veulent vivre en relation avec lui. Tous ceux qui veulent marcher avec lui God, doivent apprendre God à marcher dans sa crainte. Must learn to walk la Bible in parle des hommes the qui ont marché dans la crainte de Dieu. Men that walk des hommes fear même dont Dieu lui-même a témoigné comme de Job. Men that, like Job that God even c'était des hommes qui ont témoigner qui ont eu la crainte de Dieu. There were men that had this fear aujourd'hui, nous voyons God beaucoup des enfants de Dieu, des chrétiens, today, many children of God, many qui tiennent la Bible, they hold the Bible, qui parlent de Dieu, that speak about qui God, vont à l'église, that go to church, qui prêchent même l'évangile, they even preach the gospel, mais ils n'ont aucune crainte but they have de Dieu. No fear of ils n'ont aucune crainte they de Dieu. No bien-aimé, si tu n'as aucune crainte beloved, de Dieu, if you have no fear tu marches of encore God dans les ténèbres. And you walk, you si tu n'as aucune crainte place de Dieu, if you have no c'est-à-dire fear en God, toi, la semence de Dieu n'a pas encore germé. Not, parce que la chose qui prouve que la semence de Dieu a germé dans ta because vie, c'est la crainte de Dieu qui est en toi. Laissez-moi vous dire une vérité. Joseph n'a pas évité d'aller avec la femme de Potiphar. Joseph did not avoid to go with the Potiphar's wife. À cause de codes législatifs du Proche-Orient. Because of the rules and the law of qui condamnait l'adultère à ce moment, à cette époque-là. That was condemning adultery at mais Joseph that time a plus refusé d'aller but avec la femme de Potiphar. Joseph refused to go with Potiphar's wife à cause de la relation rather because qu'il avait avec Dieu, that he had with à God cause de la connaissance because of the knowledge qu'il avait de Yahvé. He had of Yahweh. Il savait que Dieu est un Dieu saint. He knew that God is il savait a que Dieu God est un Dieu pur. He knew that God is il savait a pure que sans God Dieu, il ne peut rien. He knew that without God, il a réalisé. Do, he cannot do anything. Il avait réalisé he had realized que s'il est ce qu'il est dans la maison de Potiphar, if he is who he is in c'est à cause de la grâce house de Dieu dans sa vie. It is because of God's grace et le fait de pouvoir réaliser cela and when he realized a créé en lui une crainte révérentielle. Et ce qui fait que devant, face à cette tentation, face à cette tentation, il répond à la femme de Potiphar, comment pourrais-je faire un si grand mal? Comment pourrais-je pécher contre l'Éternel? Bien-aimé dans le Seigneur, si nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous pouvons avoir des Bibles, nous pouvons pécher, nous pouvons faire des miracles, nous pouvons faire n'importe quoi, mais nous ne serons pas connus. Parce que la crainte de Dieu est l'une des choses indispensables pour ceux qui veulent vivre une vie pieuse, pour ceux qui veulent vivre une vie avec le Seigneur. Tu veux marcher avec le Seigneur, tu veux avancer avec lui, il est important pour toi que tu apprennes à développer la crainte de Dieu. Si nous lisons Deutéronome, dans le livre de Deutéronome au chapitre 31, le verset 12 au verset 13, là-bas nous allons voir quelque chose de très remarquable. Nous allons voir que Dieu
Pendant qu'il établissait certaines règles de la loi, la Bible dit dans le verset 12 jusqu'au verset 13 de Deutéronome 31, tu rassembleras le peuple, les hommes et les femmes, les enfants et les étrangers, dans tes portes, afin qu'ils entendent, afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, en observant et en mettant en pratique toutes ces paroles de la loi. And doing all these words of the law. Et leurs enfants, and their children, qui ne la connaîtront pas, l'entendront. Who do not know it, will et ils apprendront, à craindre l'Éternel, votre Lord, Dieu, your God, tout le long du temps que vous vivez dans le pays, as long as you live in the country, dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. Dieu est en train de préparer un peuple, God prepares the people, un peuple qui va hériter quelque chose. A people that will inherit something. Un peuple appelé à hériter une grande promesse. A people that is called to inherit a un peuple great appelé promise. À hériter une a grâce. People that is ready to mais inherit Dieu a grace. Ne s'arrête pas seulement au niveau de la promesse, de la bénédiction. But God doesn't stop only on the promise and the blessing. Mais le Seigneur les prépare à être des hommes, but des the femmes, Lord prepares them to be women and des men, enfants qui ont la crainte de Dieu. Il dit dans ce même passage, comme nous venons de le lire tout à l'heure, tu les apprendras afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel. Bien-aimés, on apprend à craindre Dieu. Je vais exhorter quelqu'un ce soir. Peut-être tu vas à l'église tous les jours. Mais depuis que tu vas à l'église, pose-toi la question, qu'est-ce qui est dans ta vie qui a déjà changé? Just ask yourself, what has changed in your life? Peut-être tu sers Dieu. Maybe you serve God. Mais pose-toi la question. But ask yourself, qu'est-ce qui a réellement changé en toi? What did truly change? Est-ce que ta vie a réellement changé? Has your life really est-ce changed? Que la vie de Jésus is the life a vraiment Jesus transformé ta vie? Has it, changed your est-ce life? Que la semence de Dieu is the, does the seed of God est-ce que la semence de Dieu did the seed of a-t-elle God pris place dans ton cœur? Take place in your est-ce heart? Que quand tu marches when you walk, loin des frères de l'église, far from the loin des of sœurs the church, de l'église, far from the là où il n'y a personne qui te connaît, where nobody est-ce knows que tu you as la crainte de Dieu? Do you have fear il y a of encore God? Des enfants de Dieu aujourd'hui there are still qui vont dans God des églises that go to mais the qui church, continuent à forniquer, but they continue qui to vont fornicate. Dans les églises, they go qui to church, continuent they dans le commérage, qui continuent dans le commérage, qui continuent à voler dans les magasins, qui continuent à critiquer, qui continuent à faire des choses qui tristent le Saint-Esprit. Bien-aimé, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et la sagesse de Dieu commence par l'acquisition de la connaissance de la parole. La parole que tu reçois, est-ce que cette parole transforme ta vie? La parole que tu reçois, est-ce que cette parole transforme ta façon does de voir, cher ami? Est-ce que cette things? Parole transforme ta façon d'être? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire, voilà can ce que j'étais et voilà ce que je suis devenu à partir here de la parole? Be, est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire, bien-aimé, today, voilà ce que j'étais dans le monde et voilà ce world, que je suis devenu became, après avoir reçu la lumière, life, après avoir reçu la parole de Dieu? God, parce qu'ici, il s'agit de la crainte de Dieu, pas la crainte de la peur. Not the terror, pas la crainte de la terreur, not the terror, mais la crainte honorifique, but the fear that la crainte révérentielle, the reverential la crainte fear, qui te pousse à respecter Dieu, that pushes you to respect la crainte God, qui te pousse à aimer Dieu, that pushes you to love la crainte God, qui te pousse à ne pas attrister le cœur de Dieu. Est-ce que cette crainte God est encore dans ton cœur? Beaucoup de gens peuvent se poser la question, qu'est-ce qui sera important pour moi si je crains Dieu? Important for me. Qu'est-ce que je vais gagner, bien-aimé? Some people ask tu as tout à gagner si tu marches dans la crainte de Dieu. Win with that, but I tell you that you can tu as tout everything. À gagner si tu you marches dans la crainte de Dieu. If you walk in the la première des choses que the tu gagnes, thing that you win c'est le royaume de Dieu. Is the kingdom of tu God. Ne peux pas hériter le ciel. You can never inherit tu ne peux the pas heaven. Être enlevé. You cannot be raptured. Si dans toute ta vie chrétienne, if in all your Christian tu ne marches life, pas dans la crainte you don't de Dieu, walk in the seul, fear of God. Dit le livre d'Apocalypse, in the Revelation, c'est
qui ont lavé leurs robes, ceux qui ont marché dans la pureté, ceux qui ont marché dans la crainte de Dieu, feront partie de cette nouvelle cité céleste. Donc, la garantie, bien-aimés, de l'enlèvement, la garantie d'être ce jour-là, au sein d'Abraham, en train d'adorer avec lui et de lever le Seigneur, cette garantie tu l'as si tu apprends à craindre Dieu. La requête de ce soir, c'est de demander à Dieu: Seigneur, apprends-moi à te craindre dans ma façon de parler, apprends-moi à te craindre dans ma façon de penser, apprends-moi à te craindre dans ma façon de faire, apprends-moi à te craindre. In the way I donne-moi do d'être une femme. Teach me to fear. Donne-moi you. Give d'être me un homme to be a man or qui woman marche dans la crainte de ton nom. In God's, in the fear of your name. Oui, bien-aimé, notre yes, Dieu beloved. Est un Dieu saint. Our God is a notre holy Dieu God. Est un Dieu qui chemine avec des hommes et des femmes qui marchent dans sa crainte. Our God is walking with men and women that walks des in that gens fear, qui cheminent avec in Dieu that fear. Doivent apprendre but à craindre l'Éternel. Walk with God must know, must learn to walk in le premier bienfait, bien-aimé, la crainte de Dieu t'assure l'entrée dans le royaume des cieux. And shows you to enter tu n'entreras pas dans God. Le royaume des cieux parce que tu parles bien français. You will not enter the kingdom of heaven because parce que you speak tu parles French, bien anglais ou espagnol. You speak good English, ou parce que tu Spanish, es un prédicateur reconnu dans le monde entier. You have, you are very ou parce que tu es un faiseur de miracles. Or maybe you are a miracle ou parce que doer, tu as l'appréciation du monde entier. Tu entreras dans le royaume de Dieu quand Dieu verra dans ton cœur la crainte de son nom, quand Dieu verra dans ton cœur que ton cœur honore Dieu, quand Dieu se rendra compte que tu es un homme qui respecte son nom, tu es un homme qui marche dans l'intégrité, qui honore le Seigneur. Ça, ça te donne l'assurance de la vie éternelle. La vie éternelle, tu l'as pas parce que tu portes une grosse Bible. You will not have eternal life because of you bear a big Bible. Tu l'as pas non plus parce que tu parles en langue. You will not have a mais parce que dans ton cœur, il y a la crainte de but Dieu. Because in your heart, la crainte de Dieu, the fear of God. C'est le commencement de la sagesse. The fear of God is the beginning le commencement of wisdom. De la sagesse, the beginning of c'est la wisdom pratique de la parole. Is the doing of the le commencement de la, the de la sagesse, of the wisdom c'est le refus de se suivre. The refusal to le be commencement defined. De la sagesse, the beginning c'est de marcher dans sa crainte. C'est de marcher dans l'honneur, en honorant le Seigneur, en honorant sa parole. Quand Joseph dit à cette femme, comment pourrais-je faire un si grand mal? Joseph ne voyait pas seulement le mal qu'il faisait à Potiphar, mais Joseph voyait aussi le mal qu'il faisait à ce Dieu. C'est Dieu-là qui l'a délivré. C'est Dieu qui l'a gardé. C'est Dieu qui l'a préservé de la jalousie de ses frères. Comment devait-il faire un si grand mal à ce Dieu-là? Oh, combien sont incapables. How many people et combien bien-aimés sont ingrats, how many people combien are ne savent pas réaliser how many que si ce que je suis aujourd'hui, today, c'est la grâce de Dieu, c'est la bonté de God. Dieu, je dois demeurer dans sa crainte afin qu'il continue à bénir ma vie. La crainte de Dieu, c'est le commencement God de la sagesse. C'est ce dont tu as besoin aujourd'hui. Et que le Seigneur nous apprenne tous à marcher dans sa crainte. Le deuxième avantage que nous avons quand nous craignons Dieu, quand nous craignons Dieu, Dieu nous instruit et Dieu continue à nous éduquer. Psaume verset 25, le verset 12. Psalm 27, le fait de craindre 12, Dieu va faire à ce que tu garderas l'alliance. Will make you to keep the covenant. Et quand tu gardes l'alliance and when you keep the covenant avec le Seigneur, with the Lord, tu seras avec Dieu you will be et Dieu God, se révélera à toi and God will reveal comme étant celui to qui you, t'instruit, as he comme étant celui you, qui continue à t'éduquer. As he continues to c'est ainsi, celui qui craint Dieu so he who peut évoluer God dans beaucoup de choses spirituelles, can, evaluate peut in, expérimenter beaucoup de dimensions surnaturelles de la part de Dieu. Various, parce que Dieu se réjouit
d'instruire les hommes et les femmes qui le craignent. Dieu se réjouit d'éduquer les hommes et les femmes qui ont la crainte de son nom. Psaume, chapitre 25, le verset 12. Psalm 25, la le troisième avantage, the third advantage, celui qui craint Dieu he who fears va God bénéficier de la bonté de Dieu. Will beneficiate from the goodness si nous lisons Psaume, chapitre 103, when we read the Psalm 103, le verset 11, verse 11, nous allons le voir là-bas, we will see que la bonté de Dieu est réservée God pour les hommes et les femmes is reserved qui savent marcher dans la crainte de Dieu. Quand tu crains le Seigneur, bien-aimé, Dieu fera à ce que tu marcheras dans sa bonté. La bonté de Dieu sera ton partage. Et Dieu manifestera sa bonté dans ta vie. Et quand tu marches dans la bonté de Dieu, il y a des choses merveilleuses que tu vas expérimenter. Quand tu marches dans la bonté de Dieu, il n'y a rien de ce que Dieu a prévu dans ta vie qui ne viendra pas. Quand tu marches dans la bonté de Dieu, même tes ennemis vont devenir tes serviteurs. Quand tu marches dans la bonté de Dieu, même ceux qui veulent te voir souffrir vont se voir, ils vont se retrouver en train de travailler pour ta réussite sans pour autant savoir qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Pourquoi? Parce que la bonté de Dieu est quelque chose de merveilleux. Et cette bonté-là, Dieu la réserve à tous ceux qui marchent dans sa crainte. Donc la crainte de Dieu paye toujours. Le quatrième avantage que nous pouvons trouver dans la crainte de Dieu, nous le trouvons dans Psaume, au chapitre 33, le verset 18 au verset 19, verse 18 to 19, et nous le trouvons aussi dans Psaume, and we also find it le chapitre 34, 34, le verset 7 à 9. Verse 7 to 9. Celui qui craint Dieu he who fears God aura toujours les yeux de Dieu sur lui. Quand Dieu garde toujours les yeux sur toi, bien-aimé, qui c'est qui va te toucher? In that case, quand Dieu garde toujours les yeux sur toi, il y a des choses merveilleuses qui vont se faire dans ta vie. There are things that will happen. Quand Dieu garde les yeux sur toi, when God keeps his Dieu va commencer à anticiper à tes besoins. God will anticipate parce que your needs. Dieu te voit, because God can non see pas you, pour te surveiller, not to watch non over pas you, pour te punir, not to punish mais pour te you, faire du bien. But to do you parce que good, Dieu voit dans ton cœur, tu as la crainte de son nom. That you fear parce que Dieu voit dans ton âme, tu es un homme, soul, tu es une personne man, qui honore son nom, qui name, a une crainte révérentielle, qui est séparée de l'impureté, qui est séparé du mal, qui cherche à réjouir son cœur. Et qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé, so dans le Seigneur? Les yeux de Dieu sera sur toi. Ainsi, il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Quand ses yeux sont sur toi, tu es dans la sécurité de Dieu. Le cinquième avantage de la crainte de Dieu, celui qui craint Dieu, la crainte de Dieu amène Dieu à pouvoir à tes besoins. Si nous lisons Psaume 147, if we read the Psalm 147, le verset 19, nous allons voir ça. 19, we will celui see qui it. Craint le Seigneur va pousser Dieu à pouvoir à ses besoins. C'est ainsi que je vais te dire ce matin, so bien-aimé, ce soir, quel que soit ce que tu vis, no matter what you que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul avait compris ça. Il dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? La famille ne me séparera pas de l'amour de Dieu. La nudité ne me séparera pas de l'amour de Dieu. Quel que soit ce que je vais vivre, il dit, même les anges ne me sépareront pas. Et la question que je viens te poser ce soir, qu'est-ce qui te sépare de l'amour de Dieu? Peut-être seulement parce que tu n'as pas l'argent pour t'acheter un dessous, tu vas faire l'impudicité. Maybe because you lack money for buying yourself a few stuff to get peut-être, dressed. Maybe you will go to uncleanness. Peut-être la famine. Maybe famine. Te pousse pushes au vol. You to robbery. Peut-être la convoitise. Maybe covetousness. Te pousse au vol. Pushes you te to pousse theft. À beaucoup de mauvaises choses. To pushes you qu'est-ce to qui te sépare de l'amour things. De Dieu ce so soir? What separates you from God sache que celui tonight. Qui craint Dieu, Dieu pourvoit à ses besoins. God provides it for et des fois, quand nous craignons Dieu, Dieu peut permettre que le temps soit difficile. God mais ça ne veut pas dire, happen, ça ne veut pas dire que si le temps est difficile et que Dieu t'a oublié, sache que quand you. Tu crains Dieu, Dieu God, a les yeux sur God toi. Et quand les yeux de Dieu sont sur and toi, Dieu voit tes you, besoins. Dieu te surveille et Dieu va anticiper quel que soit le temps no que ça peut prendre. Sache take. Que quand tu as la crainte de Dieu en toi, bien-aimé, Dieu va pourvoir à tes besoins.
le fait de marcher dans sa crainte, le fait de craindre Dieu va saisir le cœur de Dieu, parce que Dieu est comme un père. Et vous savez, quand tu es un père et tu as un enfant qui est obéissant, sans le vouloir, tu vas voir, tu vas beaucoup aimer cet enfant, et cet enfant ne va jamais manquer de quelque chose. À chaque fois que tu as besoin, tu peux donner à cet enfant. Tu n'hésiteras pas à cause de l'obéissance que cet enfant manifeste envers toi. Et si les hommes peuvent faire ça, bien-aimé, à combien plus forte raison le Dieu du ciel va le faire. C'est ainsi que je viens dire à quelqu'un ce soir, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quelles que soient les épreuves que tu traverses, quelles que soient les oppositions, les blocages que tu rencontres, continue dans la crainte de Dieu. Dieu te dit, Dieu frayera le chemin. Il y a des circonstances de la vie qui font qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens perdent le sens de la crainte de Dieu. Peut-être que tu veux travailler. Tu es dans le chômage. Mais là où tu vas pour solliciter, le patron te dit, avant que je t'embauche, je dois d'abord aller avec toi. Tu commences à te poser des questions. And you start to ask, est-ce qu'il faut que j'accepte avant d'être embauché? Qu'est-ce que je dois faire exactement? Je vais te dire ce soir, n'accepte pas. Garde ta confiance envers Dieu. Garde ta confiance envers Dieu. Garde ta foi envers le Seigneur. Le Seigneur n'abandonne pas ceux qui ont la crainte de son nom. Le Seigneur est celui qui pourvoit aux besoins de ceux qui ont la crainte de son nom. J'attends quelqu'un dire amen. Le cinquième, le sixième avantage de la crainte de Dieu. Quand nous avons la crainte de Dieu, quand nous marchons dans la crainte de Dieu, quand nous avons appris à honorer Dieu, qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? Dieu va mobiliser une protection surnaturelle sur toi. Parce que tu deviens précieux. Tu deviens précieuse. Sache que tout être humain qui marche dans la crainte de Dieu devient devant Dieu plus précieux que l'or, devient plus précieux qu'autre chose. Et parce que tu deviens précieux pour Dieu, tu deviens un vase sanctifié. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va mobiliser. Dieu va mobiliser une protection surnaturelle sur ta vie. Et Dieu va te garder. Tel dit la parole de Dieu dans Ecclésiaste 7, le verset 18. Ainsi je prie ce soir. Et je viens t'encourager. Toi qui crains Dieu, n'aie peur de rien. Parce que surnaturellement, tu es protégé. Même si tu ne vois pas les anges qui te protègent, sache qu'à cause de ta crainte, à cause de le fait que tu honores le nom de l'Éternel, et que tu marches dans la sainteté, et que tu marches dans l'obéissance à sa parole, Dieu est en train de mobiliser. Dieu a mobilisé toute une protection pour toi. C'est ainsi que le psalmiste pouvait dire, je m'en couche et je m'endors, I just lie down and sleep, et je me réveille, and I wake car l'Éternel est mon bouclier. Le septième avantage, bien-aimé, c'est qu'ils craignent l'Éternel. Dieu permet que leurs rêves soient réalisés. Allows their dreams to be, realized. Si nous lisons psaume 145, if we read the psalm 145, le verset 19, verse 19, nous allons comprendre we will cela. Understand that. Dieu permet que le rêve de ceux qui le craignent se réalise. Allows that the dreams of those who fear him. C'est ainsi peut-être ce soir, tu as déjà les yeux fixés sur le païen qui marche dans la débauche, qui marche dans le péché, qui marche loin de la face de Dieu. Et tu as commencé déjà à les envier en disant que voilà, ils sont en train de réussir. Mais laisse-moi te dire ce soir, bien-aimé, la réussite des méchants n'est pas une réussite. La bénédiction des méchants n'est pas une bénédiction. Parce que seule la bénédiction de l'Éternel enrichit.
only the blessing of the Lord. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. And it is not followed by sorrow. La crainte de Dieu the fear of God va faire à ce que tes rêves soient réalisés. To be achieved. Joseph avait la crainte de Joseph Dieu. Had the fear of le God. Fait qu'il ait la crainte de Dieu, and that fear of God son rêve s'est réalisé. Made his dream to il be a achieved. Dominé sur l'Égypte. He dominated over il Egypt. A eu des combats. He had fun. Il a eu la jalousie de ses frères. He had jealousy. Il s'est retrouvé en prison. He was found il s'est retrouvé dans des puits. He found himself il s'est retrouvé en esclavage. He found himself in oh, bondage. Je ne sais pas ce soir, I don't know. Pendant que je suis en train de prêcher l'évangile, où est-ce que tu te retrouves? Peut-être que tu te retrouves dans la misère. Peut-être que tu te retrouves dans les épreuves. Peut-être que tu te retrouves dans une maybe situation difficile. Situation, mais sache que Joseph est passé aussi par là. Mais parce qu'il avait la crainte de Dieu, la Bible déclare, Dieu l'a élevé. Son rêve s'est réalisé. Je viens dire à quelqu'un ce soir, ton rêve se réalisera. Ton rêve se réalisera. Ton rêve se réalisera. Non, tu ne m'as pas compris. Ton rêve se réalisera. Parce que tu as compris que la crainte de Dieu est quelque chose d'essentiel dans la marche avec Dieu. Est quelque chose d'essentiel pour tous ceux qui veulent vivre pieusement. Dieu fera à ce que tes rêves se réalisent. Tes rêves se réalisent. Tu verras la réalité de tes rêves. Parce que quand Dieu voit ton cœur, il voit que tu as un cœur qui l'honore. Il voit que tu as un cœur qui l'aime. Malgré le souci, malgré les tentations, malgré les situations, Dieu voit la crainte dans ton cœur. Une crainte révérentielle. Une crainte qui te pousse à le respecter, à l'honorer, à pratiquer sa parole, à marcher dans la sanctification, à le craindre. Une crainte qui n'est pas conditionnée. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont la crainte de Dieu conditionnée. Ils marchent dans la crainte de Dieu quand ils sont à l'église. Ils marchent dans la crainte de Dieu quand ils sont entourés de chrétiens. Mais au milieu des païens, ils deviennent des païens. Ils sont comme des caméléons qui prennent la couleur de là où ils se trouvent. Prends à Dieu ce soir. Que le Seigneur t'apprenne à le craindre. Que le Seigneur nous apprenne à le craindre. Parce que la crainte de Dieu va permettre à Dieu de réaliser tes rêves. Le dernier point, bien-aimé, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu va faire à ce que ton nom soit gardé dans les livres de souvenirs. Malachie 3, 16 à 17. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu as accepté le Seigneur. Tu as décidé de suivre Jésus. C'est ça ne suffit pas. Ce que Dieu veut faire de what toi, c'est des fruits dignes de repentance en toi. Pierre a dit dans les actes des apôtres, repentez-vous. Repentez-vous et convertissez-vous. Produisez des fruits dignes de la repentance. Quels sont les fruits que tu produis aujourd'hui? Est-ce que tes fruits sont le fruit de la repentance, bien-aimé? Ou tes fruits sont encore le fruit de la chair, le fruit de la mondanité, le fruit qui est le résultat du paganisme? Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois les chrétiens, tu vois les croyants, la façon dont certains vivent, dans leur mariage, dans leur maison, envers leurs enfants, envers leurs familles, partout où ils sont, même parmi les païens, rien ne montre qu'ils sont de Dieu. Nothing shows that they are rien ne montre le pouvoir de l'alliance qu'ils ont avec le Seigneur. Pourquoi, bien-aimé? Parce que les croyants aujourd'hui ont perdu le sens de la crainte de Dieu. Que le Seigneur nous aide à comprendre ça. Je finis ce message en disant ceci. Comment est-ce que nous pouvons marcher dans la crainte de Dieu? La première des choses, nous devons accéder à la connaissance de sa parole. We must access the knowledge of his word. C'est dans la connaissance de it sa parole in the knowledge of his que tu connaîtras Dieu, that you shall know que tu God, marcheras, que that tu you sauras know, ce que Dieu veut de toi exactement, ce que Dieu te demande. La deuxième des choses, tu dois faire disparaître le Dieu étranger dans ta vie. You must make disappear all the foreign gods from your life. Josué 24, 14. Josué exhorta le peuple israélite à marchant dans la crainte de Dieu. Il a dit, faites disparaître le Dieu étranger.
Let disappear, make disappear all Quels sont les dieux étrangers aujourd'hui dans la vie du croyant? Le dieu étranger représente toutes les choses auxquelles tu es attaché, toutes les choses auxquelles tu es prêt à sacrifier ton salut. Peut-être tu es prêt à sacrifier ton salut pour le plaisir sexuel de 2 minutes. Peut-être tu es prêt à sacrifier ton salut pour la gloire de ce monde. Peut-être tu es prêt à sacrifier ton salut pour les honneurs de ce monde. Peut-être tu es prêt à sacrifier ton salut pour la nourriture de ce monde. Bien aimé, toutes ces choses, ce sont de Dieu. Parce que tout ce qui remplace, qui remplace la place de Dieu dans nos cœurs, et tout ce qui prend l'honneur, la révérence que nous devons à Dieu, et quand nous donnons cela à cette chose, cette chose devient un Dieu. C'est ainsi la deuxième démarche, c'est d'évacuer, c'est d'enlever, c'est de faire disparaître tous les dieux étrangers que tu as dans le cœur, afin que ton cœur soit tourné vers le Seigneur. C'est hyper important, bien-aimé. La troisième démarche, c'est de se détourner du mal. Tu ne peux pas marcher dans la crainte de Dieu si tu continues dans le chemin de mon cœur. Tu ne peux pas marcher dans la crainte de Dieu si tu continues à t'asseoir sur le banc de mon cœur. Tu continues à traîner avec des hommes, avec des femmes, avec des compagnies, avec l'entourage qui est favorable au péché. C'est ainsi que tu dois sélectionner ton entourage. Tu dois savoir avec qui marcher. Tu dois savoir avec qui passer ton temps. Tout ce qui stimule l'envie de pécher en toi doit être éloigné de toi. Toute personne qui stimule l'envie de pécher en toi doit être séparée, bien-aimée. C'est ainsi que tu dois te détourner du mal. This is why you must turn away from si evil. Tu ne te détournes pas du mal, otherwise, tu ne risques pas de marcher dans la crainte de Dieu. You will never walk in the fear Dieu of the disait Lord. À Satan dans God Job, said to Satan, il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Comment il me craint how he fears et comment me, il se détourne du mal. Donc la evil. Crainte de Dieu, so the fear of c'est God, aussi se détourner du mal. To turn away from evil. La quatrième et la dernière démarche, and the last step, c'est la fermeté à des convictions divines. Is to be stand fast, divine, pardon. In divine conviction. Si tu as des convictions, if you have conviction, tu dois être ferme dans tes convictions. You must hold them Joseph fast. Était ferme dans ses convictions, Joseph bien-aimé. Was stand fast in Joseph his savait que je ne peux pas aller avec la femme de Potiphar. He knew that he could not go to, with parce que ça serait un mal. Because it would be et parce que ça serait evil, un péché devant and Elohim. Because it would be a sin towards malgré Elohim. L'insistance, despite the insistence, malgré la persévérance despite the de la femme de Potiphar, il était convaincu. Il était convaincu que cela était un péché. Il était convaincu que le Dieu en qui il croyait, le Dieu de son alliance, était un Dieu pur. Il était ferme dans ses convictions. Et nous allons voir dans la Bible, il y a eu des personnes qui ont marché dans la crainte de Dieu à cause de cette fermeté. Pensons à Meshach, Shadrach, Abednego. Ces trois jeunes Hébreux à qui l'ordre les a été donné de pouvoir adorer les idoles, to worship idols. Mais parce qu'ils avaient la ferme conviction, ils ont préféré descendre dans la fournaise de feu. They rather went into the furnace of Regardons Daniel, bien-aimé. Let us look at il a Daniel. Refusé de se suer par le mets du roi parce qu'il était ferme dans ses convictions. Des fois, nous nous retrouvons de marcher loin de la crainte de Dieu parce qu'il nous manque la fermeté. Je prie ce soir, toi qui es en train de suivre cette émission, que le Saint-Esprit de Dieu crée la fermeté dans ton cœur, la fermeté de marcher dans la crainte de Dieu, la fermeté d'aimer Dieu, la fermeté à des convictions divines que tu as. Ce que tu sais être vrai, ce que tu sais être de Dieu, doit rester d'actualité dans ta vie. Nous vivons dans une société
dans un monde où les choses sont maintenant bouleversées. Where things are now upside down. Le mal est appelé bon. Evil is bien. Called good. Le vrai est appelé faux. Good is, et le faux est appelé vrai. False, and false mais quand nous true, avons l'éclairage de la parole, but when we are enlightened nous devons by the savoir word, demeurer dans la fermeté. We must know how to c'est ainsi l'apôtre Paul dit, and the Paul rien says, ne me séparera nothing will separate de l'amour de Dieu. From the love of pour God. Parler comme lui, to speak like il him, fallait avoir un certain niveau de fermeté. It required a certain level of et je prie ce soir que toi qui passes des moments difficiles, toi qui es dans les épreuves, toi qui es tenté, you who are tempted, toi dont le diable cherche à pousser dans le mal, parce que evil, tu as tellement entendu que tu es impatient so maintenant, tu as dit je vais y aller à fond. Now you will go there straight. Que le Dieu de gloire t'aide à demeurer you, dans la fermeté au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse ce message bien-aimé. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Le temps qui nous est imparti est arrivé presque à la fin. Et nous rendons grâce finished. À Dieu pour ce message. La crainte de Dieu, comme je viens de le dire, said, est l'un des éléments essentiels. Et nous allons voir que dans toute and la Bible, tous ceux qui Bible, ont marché avec Dieu, tous ceux qui ont God, connu des victoires avec Dieu, c'était des hommes God, et des femmes qui avaient la crainte de Dieu. Et je prie ce soir, toi qui as perdu la crainte de Dieu, toi qui as perdu la sensibilité, toi qui as perdu cet amour à aimer Dieu, que Dieu libère encore ton cœur, que le Seigneur te donne encore de reprendre ton premier amour dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je vous donne rendez-vous pour ce jeudi à partir de 18h30 pour une autre série d'émission Temps de Victoire. Et j'aimerais également encourager tous ceux qui sont à Limoges et dans les environs. Nous serons dans la joie de vous recevoir au sein de nos locaux, dans l'église Saint-Chrétien-Béret, chaque mercredi à partir de 18h, chaque vendredi, every Friday, 18h30 et chaque dimanche 9h30. Que le Seigneur vous bénisse. Laissez-moi prier pour vous ce soir. Seigneur, je prie ce soir afin que ta parole, qui est la lumière, puisse toucher nos vies. Laisse que ta parole, Seigneur, agisse en nous et produise des fruits au nom de Jésus. Je bénis ton peuple ce soir. Permets, Seigneur, que chacun qui a reçu cette parole puisse méditer sur sa vie. Puisse méditer sur sa vie. Ce soir, par la puissance du nom de Jésus. Parce que tu as vaincu les liens de péché. J'ordonne à tout lien de péché qui tient le peuple, Seigneur, qu'il soit brisé au nom de Jésus. Laisse que ta grâce et ta puissance descendent sur ton peuple. Donne-nous de marcher dans ta crainte, dans ton amour. Donne-nous de faire de nous un peuple, Seigneur, qui a appris à te craindre, appris à t'honorer dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Soyez grandement bénis, bien-aimés. Je vous aime et je vous donne rendez-vous jeudi prochain à partir de jeudi prochain pour la continuité de notre programme. Jeudi soir. Amen. Soyez bénis, soyez grandement bénis. Nous vous aimons. Merci également à toute l'équipe technique derrière les appareils qui ont rendu possible cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. Restez Shalom. Et demeurez des hommes et des femmes stay de feu. Fire! And women of fire. L'apôtre Eddie Kadiebou est un don pour l'Église du Seigneur. Dieu l'a envoyé pour le salut et la délivrance des nations. Avec un message de foi, révélant l'amour de Dieu, la guérison divine et la puissance de Dieu à des peuples de toutes les nations. Ces messages, riches en profondeur et en révélation, sont accompagnés par des signes et des prodiges. Ces conférences et ces croisades d'évangélisation édifient et ont amené à Jésus-Christ des multitudes
Adam. Puis, il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Jésus est réellement celui qui peut apporter la vraie lumière et donner un véritable sens à ta vie. Tu te poses des questions aujourd'hui, comme cet homme, Jean-Baptiste, allait demander, est-ce que c'est lui? Oui, ce soir je dis que c'est lui. Jésus est le chemin. Je dis que c'est lui. Jésus est la porte des brebis. Je dis que c'est lui. Jésus est le grand guérisseur. Je dis que c'est lui. Jésus est celui qui te libère ce soir. Oui, je dis que c'est lui qui peut donner la joie dans ton cœur qui a perdu la joie. Oui, j'ai dit que c'est lui, le prince de paix, il peut t'accorder la paix.